Quelque part en Afrique. Une route qui ressemble à bien d'autres. Mais cette route est l'une de celles qu'ont empruntées pendant des siècles les 20 millions d'esclaves déportés par la voie atlantique. Affaiblie par l'esclavage moderne et traditionnel, l'Afrique, terre d'empires éteints mais aussi de royaumes renaissants, devient à la fin du 19e siècle l'enjeu d'une rivalité belliqueuse entre les grandes puissances européennes. Avec ce raisonnement plus ou moins affiché, puisque les autres y vont, il faut y aller nous aussi. Le continent éveille d'autre part la convoitise de ces mêmes Européens par ses richesses, réelles ou imaginaires. Toutes les conquêtes coloniales sont de même nature et utilisent la même méthode, n'est-ce pas ? On parle de protection, on parle de civilisation, on parle de protectorat, mais on n'attend pas d'être invité, on s'invite soi-même, n'est-ce pas ? L'Europe se saisit de l'Afrique. Mais il faut mettre de l'ordre dans cette conquête désordonnée et aboutir à un accord entre les colonisateurs qui, dans certaines régions, se trouvent en situation de rivalité agressive. En 1885, à Berlin, les Européens mettent au point les instruments juridiques et diplomatiques qui leur permettront dans les années suivantes le partage de l'Afrique. Le partage du gâteau africain, pour reprendre la douteuse métaphore de Léopold II, le roi des Belges. Il est admis à Berlin que toute puissance déjà établie sur les côtes pourra faire valoir ses droits sur l'intérieur des terres, mais à condition que ces nouvelles acquisitions soient notifiées aux autres puissances signataires. Une fois ce fragile accord obtenu, les impérialismes anglais, portugais, français, belges et allemands se mettent en ordre de marche. Quand l'Europe a commencé à se constituer en État, l'Afrique n'a pas pu en faire autant, car les colonisateurs sont venus occuper nos pays et nous avons dû nous battre contre le colonialisme. Au lieu de régler nos propres différends et de lutter entre nous pour instaurer la démocratie, nous avons dû lutter contre les Européens. En moins de 30 ans, la quasi-totalité de l'Afrique est conquise par les grandes puissances. Pour autant, l'Afrique ne s'est pas laissée prendre sans opposer la moindre résistance. Bien au contraire, ici et là, des chefs de guerre se sont dressés contre le conquérant européen. Et peu importe la nature de ces résistances et leur efficacité face à l'armement très sophistiqué du colonisateur, elles occupent depuis lors une place de choix dans l'imaginaire africain. Toutes deviendront pour les futurs libérateurs du continent à la fois une source d'inspiration et un encouragement à l'action. Chacune des grandes puissances coloniales aura donc à lutter contre l'un de ses résistants de la première heure. Qu'en est-il par exemple du colonisateur français au Dahomey ? Déjà présent sur la côte, il s'avance à l'intérieur des terres avec sa troupe de 2000 hommes, dont un bon nombre de tirailleurs sénégalais. Sa progression se verra contrariée par le seul Béhanzin, roi d'Abomey. Le farouche fils de Glélé est en effet le seul à refuser de signer le traité que lui propose le conquérant français. Les discussions étaient assez ardues du temps de Glélé, mais quand il est mort, le fils Béhanzin qui lui a succédé a été encore plus intransigeant, parce qu'il était plus nationaliste, si on peut dire, que son père, presque plus nationaliste que son père, et il n'admettait pas qu'on puisse posséder en toute propriété, une partie de son royaume. Le pays est inaliénable en tout ou partie. Il est vrai que le roi n'a peut-être pas mesuré la puissance de l'adversaire ou la mauvaise foi de l'adversaire, puisque en retenant prisonnier à Abomey, les émissaires qui étaient partis négocier avec lui, ils donnaient
de prétexte trop facile à un adversaire qui était 10 fois, 20 fois plus armé que lui. Il y avait des armes, une puissance de feu, une organisation militaire auquel on ne pouvait pas résister. Les 20 000 soldats de Béhanzin sont vaincus. Et au terme de 2 années de résistance, le roi déchu du Dahomey est exilé avec toute sa famille. Il mourra à Alger en 1906. Béhanzin est retourné à Abomey dans son fief en 1928, sous le dynamisme de son fils Wanilo, qui a œuvré, qui a utilisé tous les moyens pour que le corps de son père revienne dans son terroir. Ça a été des funérailles grandioses. Je me souviens de ce temps-là. C'était vraiment... On a senti que tout le peuple du Dahomey vivait ce retour comme une espèce d'hommage mérité à ce patriote, à ce nationaliste qui n'a pas cédé devant la force. On a corrigé tout ce qu'il y avait d'excessif dans les accusations dont il était victime, et aussi redonner à la nation béninoise le sens de son histoire. Je n'accepterai jamais de signer aucun traité susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. Autre figure majeure de la résistance, mais cette fois-ci contre le colonisateur portugais, Gungunyana, le souverain de Gaza, dernier royaume bantou au sud du Mozambique. Ele era muito orgulhoso. Il était très fier d'être le roi de son peuple. O rei do seu povo. En prison, alors qu'il ne pouvait plus résister, il refusait tout de même d'obéir aux ordres qui lui étaient donnés. Mas recusa-se a obedecer às ordens que eram dadas, por exemplo, de par exemple, de s'asseoir à même le sol. Les Portugais l'ont humilié, ils lui ont craché dessus et l'ont forcé à s'asseoir par terre. Ce qu'il trouvait indigne pour un roi. Après 10 ans de captivité, Gungunyana meurt en exil aux Açores. On ne peut pas dire de lui qu'il fut un démocrate. En revanche, c'était un farouche défenseur de son empire et de son peuple. Il y a des leçons positives à en tirer. Dans certaines phases de l'histoire, il peut être nécessaire d'avoir ce genre de caractère pour défendre une patrie. Insaisissable chef religieux et militaire, Mohamed Abdullah Hassan résiste aux Britanniques pendant plus de 20 ans. Ce qui lui vaudra de la part de ses adversaires le surnom peu flatteur de Mad Moula, le Mola fou. Lorsqu'on entreprend de façonner un pays, que l'on marque son époque et qu'on lui fait prendre une place importante dans l'histoire, il se peut qu'on devienne plus rigide, plus autoritaire. Et c'est parfois nécessaire. Je n'excuse pas l'autoritarisme, je dis simplement que Mohamed Hassan n'était pas différent de Garibaldi, par exemple, ou encore de Bismarck. Il n'était pas différent de toutes ces figures historiques qui ont dû braver leur peuple et le rassembler, tel un troupeau de moutons sur un pâturage nationaliste. Tout cela dans le but de former un peuple uni, une nation. Un pays devient le symbole même de la résistance. L'Éthiopie du Négus et roi des rois, Ménélique II, à la tête d'une véritable armée africaine. Une armée unique en son genre, des fournisseurs étrangers, parmi lesquels le poète français Arthur Rimbaud, ayant contribué à la modernisation de son équipement. Fort de cela et de sa science du combat, Ménélique écrase les Italiens en 1896 dans la plaine d'Adoua, à l'extrême nord du pays. L'écho a été considérable, non seulement en Afrique, mais en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, partout où il y avait les descendants d'Africains,
des esclaves libérés, émancipés. Et à l'époque même de Ménélique, avant même cette bataille, il y avait déjà des Haïtiens, des Afro-Américains qui venaient en Éthiopie parce que c'est un pays qui est libre. Et donc il y avait une petite fascination. La bataille d'Adwa, elle a accéléré ce processus. L'Éthiopie, c'est le symbole de la vieille Afrique. C'est le symbole de l'Afrique mère. C'est le symbole de l'Afrique résistante. L'Éthiopie, c'est la communion entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. L'Éthiopie, c'est le pays qui a été présent à tous les moments où on a parlé d'Afrique unie. Le mot Éthiopie même, il est bon de le signaler, signifie en grec ancien la terre des hommes au visage brûlé. Nom qui était donné à l'Afrique en entier par les Grecs anciens. Vous le retrouvez chez Hérodote, dans la géographie d'Hérodote, mais aussi vous le retrouvez chez Homère. Tout ce qu'il rencontrait même en Égypte s'appelait Aethiops, la terre des hommes au visage brûlé. L'Éthiopie, c'est le pays culturellement dense, c'est le pays où toutes les religions existent, se côtoient, ont presque des racines. Le judaïsme, la religion chrétienne, la religion musulmane en Éthiopie. Mais l'Éthiopie, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été une colonie et qui a toujours témoigné pour l'Afrique. C'est une toute autre histoire qui s'écrit à l'extrême sud du continent. Les Afrikaners sont les premiers colons à s'être installés en Afrique du Sud dès le XVIIe siècle. D'origine hollandaise, ils sont aussi appelés boers, qui signifie paysan. Par extension, le nom de boer désigne également les immigrés allemands, scandinaves et français. Au XIXe siècle, après avoir combattu les Zoulous qui leur barraient le passage, les Afrikaners fondèrent la République du Transvaal et l'État libre d'Orange, tandis que les Britanniques, déjà installés au Cap, prenaient possession du Natal. La découverte de très importantes mines d'or au Transvaal relance l'interminable conflit qui oppose les Afrikaners et les Anglais. J'ai toujours dit que si l'on avait découvert des gâteaux au chocolat dans le Transvaal, le pays n'aurait pas été envahi en 1899. Et l'argument tient pour bon nombre de territoires qui ont été envahis à d'autres périodes, pour leur pétrole par exemple. La motivation est toujours la même. Pour combattre la guérilla boer, il aura fallu que les Anglais mobilisent une véritable armée composée de soldats venus d'Égypte, d'Inde et de renforts locaux. Pour emporter la victoire, il aura fallu que les Britanniques ne reculent devant aucun moyen. Cette guerre a souvent été décrite comme une guerre de gentlemen. C'était tout sauf ça. C'était une guerre coloniale. Les Britanniques brûlaient les récoltes, ils détruisaient les maisons. Ils enfermaient les civils dans des camps de concentration. Pas au sens des camps de concentration nazis du XXe siècle, mais c'était vraiment des endroits terrifiants où le taux de mortalité était très élevé. Pour les Afrikaners, la mort de ces 20 000 femmes et enfants dans les camps est devenue un puissant moteur de leur nationalisme
et a avivé leur haine envers les Anglais. Pour moi et les autres leaders du Parti national, il a fallu un long cheminement pour comprendre pourquoi notre parti s'était cramponné pendant si longtemps à la politique de l'apartheid. Car il faut d'abord comprendre l'histoire du peuple africaneur. Bien que cela ne justifie en rien l'apartheid, cela l'explique. Mon peuple avait obtenu l'autodétermination dans deux républiques indépendantes. Ils vivaient en paix avec les chefs et les tribus autochtones. Puis, il a perdu la guerre. C'est pourquoi, par la suite, le Parti national s'est efforcé de regagner l'indépendance perdue lors de la guerre des Boers. Parmi les Indiens qui ont participé à la guerre des Boers du côté des Britanniques, un simple brancardier, Mohandas Gandhi. En 1893, Gandhi, jeune avocat, était arrivé d'Inde pour défendre les intérêts de ses compatriotes importés comme main-d'œuvre par les Britanniques. Ces Indiens que les Blancs considéraient comme supérieurs aux Noirs, mais inférieurs à eux-mêmes. C'est en Afrique du Sud, et il y restera 20 ans, que le futur Mahatma, la grande âme, élabore des principes qui non seulement aideront à la libération de son propre peuple, mais inspireront de grands leaders africains. Gandhi a découvert ici, en Afrique du Sud, combien les Indiens étaient privés de tout droit politique. Ils n'avaient aucune liberté de mouvement. Ils n'avaient pas le droit d'accéder à la propriété dans certaines régions. Et ils étaient traités comme des citoyens de seconde classe. C'est ce qui a conduit M. Gandhi à chercher les moyens de combattre ce type de régime. Adepte de l'hindouisme et de la non-violence, il a alors développé la Satyagraha, une doctrine de désobéissance civile qu'il a expérimentée en Afrique du Sud. Il a encouragé les Indiens d'Afrique du Sud à enfreindre délibérément les lois et à aller en prison pour contraindre les autorités à accéder à leurs demandes. Mais la ségrégation la plus dure est bien celle qui frappe la communauté noire très largement majoritaire. Pour dénoncer cette pratique, une délégation de l'ANC, l'African National Congress, organisation politique non violente créée en 1912 et inspirée par Gandhi, se rend à Londres pour protester, mais avec peu de succès, contre le Native Land Act. Ce texte législatif décrète que les Noirs, qui représentent 67% de la population, se voient attribuer 8% des terres. Pire encore, ce sont plus d'un million de cultivateurs noirs qui sont expulsés de terres que leurs familles exploitent souvent depuis plusieurs générations. Le colon arrive, il plante le drapeau de son pays sans se soucier s'il y a eu partage des ethnies ou non. Et ça, c'est un peu partout. Hein. Et chez nous, c'est le fleuve Ubangi qui nous sépare du Congo ex-belge. Alors, de part et d'autre, des deux rives, on a des parents jusqu'à présent. Et lorsque j'étais député de Kwango, ben, je voulais me rendre de l'autre côté voir mes parents. Mais on a dit, ah non, il faut passer par le ministère des Affaires étrangères, avoir le visa, etc. Ça, c'est une anomalie, c'est une aberration. C'est ce qui rend plus utile encore le problème de l'unité africaine. Il faut, je crois, qu'il y ait un ensemble qui chapeaute tout et puis que les populations s'arrangent comme elles étaient autrefois, parce que c'est un véritable handicap et je n'ai pas pu traverser le fleuve. Une anomalie, en effet, que ces frontières arbitrairement tracées par le colonisateur et qui recouvrent l'Afrique, telle une toile d'araignée, dessinant un nouveau paysage politique. Let's always remember
Il ne faut pas oublier que bien des nations africaines sont des créations totalement artificielles. Elles n'ont pas été créées dans l'intérêt de la population. Elles n'ont pas pris en compte les différentes nationalités qui étaient présentes avant la colonisation. Les Européens ont préféré y voir des tribus. Mais en réalité, il s'agissait souvent de nations. Lorsqu'on réunit plusieurs groupes pour n'en faire qu'un seul, avec des services communs, le pouvoir devient un sujet de dispute et de contestation. Et toutes sortes de moyens sont employés par ceux qui cherchent à contrôler les ressources et à garder le pouvoir à la tête de cette nouvelle entité. Il était sans doute très difficile pour les colons de trouver les moyens de contrôler les pays colonisés. Il fallait réussir à mettre en place une gouvernance adéquate. L'indirect rule consistait à gérer les affaires du pays en se servant des pouvoirs traditionnels déjà en place. Dans le nord du Nigeria, par exemple, il y avait un système bien établi d'émirs et de sultans à l'aide desquels les colons pouvaient diriger le pays et s'assurer que leurs lois étaient bien appliquées. C'est donc par l'intermédiaire des chefs traditionnels que le colonisateur contrôlait le pays. Les Britanniques s'inspirent donc de l'expérience de Frederick Lugard, le gouverneur général du Nigeria, pour étendre l'indirect rule à l'ensemble de leurs colonies. Cette méthode n'est pas celle de l'administration française plus jacobine et sans doute plus méfiante à l'égard des compétences locales. La métropole nomme des gouverneurs issus de ses rangs, lesquels sont chapeautés par les trois gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française et de Madagascar au statut un peu particulier. Là, après avoir déposé la reine Ranavalone III, trop peu docile à son goût, le gouverneur général Joseph Gallieni organise le pouvoir à sa façon. Gallieni n'a pas détruit la structure de la royauté malgache. Mais il a mis à la place, par exemple, il avait des gouverneurs de la royauté malgache dans beaucoup de villes de Madagascar. Et Gallieni a renforcé ses gouvernorats. Et il a maintenu en place des gouverneurs malgaches. Il a donné des privilèges à ces gouverneurs malgaches. Et ce sont ces mêmes gouverneurs qui ont organisé la colonisation. Aucun homme de pouvoir n'a jamais été aussi puissant à Madagascar que Gallieni. Et on peut dire, oui, il a unifié, non pas la nation malgache, mais il a unifié le pouvoir. Et je veux vraiment faire cette distinction parce que je reviens toujours à cette question de la politique des races prônée par Gallieni, écrit noir sur blanc. Ce n'est pas une invention des malgaches qui va se dire « je vais dire du mal de la colonisation », mais écrit noir sur blanc par Gallieni en disant « il faut dresser les uns contre les autres ». Toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs ou des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Il y a cette douleur assez profonde de se dire on a marché dans la politique de Gallieni. C'est-à-dire qu'on a accepté le fait qu'il a divisé pour régner et que ça s'est vraiment traduit dans la réalité. Et que nous-mêmes, nous sommes sortis de la colonisation absolument divisés. Et Gallieni, à ce moment-là, symbolise
toujours cette déchirure entre les Malgaches. Le diviser pour régner caractérise également la politique du colonisateur allemand. Quand il intègre le vieux royaume indépendant du Rwanda à sa colonie d'Afrique orientale. Dans le Rwanda traditionnel, la société, elle est divisée, mais elle est divisée en clans. Il y a entre 15 et 18 clans, selon les auteurs, et dans chacun de ces clans, il y avait des Hutus, des Tutsis et des Twas. Et lorsqu'il y avait des guerres, c'était des guerres entre ces clans-là. Ce n'étaient pas des guerres ethniques. Un des drames du Rwanda, c'est que les premiers Européens n'y sont arrivés qu'en 1892, je crois. Et ils arrivent avec une grille de lecture préétablie qui était peut-être valable pour d'autres parties du continent africain, et ils la plaquent sur ce petit pays, qui était tellement différent des autres, à bien des égards, et le pays où il n'y a pas d'ethnie, peut-être le seul, devient le pays où les divisions entre les communautés sont les plus profondes, parce que l'ethnologie coloniale définit des races. Et ces races-là sont dressées les unes contre les autres dans la logique bien connue du diviser pour régner. Et je pense que la faute historique de l'élite Tutsi, c'est d'avoir accepté ces récits, ces fables plutôt, complètement absurdes, d'hommes venus du dehors, leur disant, eh bien, Vous êtes né pour gouverner, vous êtes plus intelligent que les Hutus, vous avez des qualités qu'ils n'ont pas, etc. Indigène, tel est le terme par lequel les colonisateurs désignent, en opposition à des élites locales peu nombreuses, les hommes et les femmes qui composent l'immense majorité de la population. Dans les possessions françaises, les Africains sont plus précisément régis par un statut de l'indigénat qui énonce toute une série de devoirs et ne reconnaît aucun droit. Il y avait le portage, le chef de district, c'est-à-dire le commandant. Le commandant, le mot vient de ce que les premiers, c'était des militaires. Et chaque fois, c'est le terme commandant, et c'est resté. C'est passé dans l'administration civile. On porte le commandant, il y a quatre personnes, deux devant, deux derrière, qui marchent à pas cadencés. Il n'y avait pas de route à cette époque-là. Et il fallait que le commandant aille dans les divers coins de province pour surveiller les travaux. Il était tout le temps sur le terrain. Il fallait transporter aussi les bagages du commandant. Et des fois même sa petite amie. Vous voyez? Alors, tout ça faisait que certains chefs, certaines personnes africaines disaient que ça, c'est... C'est pas de l'amitié, ça. C'est révolté. Sous le régime français de l'indigénat, l'administration coloniale s'attribue l'exercice de la justice. Mais devant cette justice, comme dans tant d'autres circonstances, les administrés ne sont pas égaux. Il y avait deux statuts. Le citoyen français, ceux qui avaient les mêmes droits que les Français de France, qui avaient la citoyenneté française, qui était ou naturalisée ou citoyenne d'origine, et puis les sujets.
la CGE relevait du statut de l'indigénat, comme on disait. Ils avaient un statut civil spécial, militaire spécial, fonctionnaire spécial, salaire spécial. Un citoyen français entrait dans l'armée française comme un Français de plein exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Il était, son uniforme était un uniforme de soldat français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais, avec sa chéchia, ses bandes moltières et tout le reste. Il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français. Ce à quoi tout le monde aspirait, surtout ce qu'on appelle les lettrés, les cadres, les élites, comme on disait, c'était de devenir citoyen français, parce que c'était là qu'on avait les mêmes droits que les Français de France. C'est là qu'on pouvait atteindre les mêmes fonctions, avoir les mêmes prérogatives, relever des mêmes tribunaux, c'est important. Et par conséquent, tous les cadres, qu'ils soient fonctionnaires ou privés, tout le monde avait une aspiration première, c'est de devenir, avoir la qualité de citoyen français. On l'obtenait par décret. On faisait la demande et selon que vous étiez jugé digne de cette qualité, le gouvernement français, par décret, vous admettait à la qualité de citoyen français. Les Portugais sont en Afrique depuis le 15e siècle et pour leur part revendiquent haut et fort leur doctrine de l'assimilation. Assimilation des colonies à la métropole, assimilation progressive des indigènes par l'instruction. Pour les Portugais, l'assimilé était quelqu'un qui renonçait à ses traditions et à sa culture pour assimiler la culture portugaise. Aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement, le comportement ou la religion. Mais en fait, la plupart des assimilés souhaitaient simplement avoir accès à de meilleurs emplois, de meilleurs salaires. Ils voulaient pouvoir inscrire leurs enfants dans les écoles officielles plutôt que dans celles réservées aux indigènes. C'est ce qui a motivé mon père à demander l'assimilation. Mais je dois dire que mon père n'a jamais renié sa culture, ses racines, ses origines. À l'instar de beaucoup d'assimilés. Et il n'est pas surprenant que la plupart de ceux qui ont prôné le nationalisme et la résistance au colonialisme aient été des assimilés. Les missionnaires ont précédé dans le temps la grande poussée colonisatrice de la fin du 19e siècle, puis l'ont accompagnée avec des intérêts souvent convergents. Ce que les missionnaires du Royaume-Uni illustrent si bien par leur philosophie des trois mots, commençant par la lettre C, la civilisation, par le christianisme et le commerce. Pour ces missionnaires, tout commence par l'éducation, mais leur dévouement a un prix. Les missionnaires ont introduit chez nous un nouvel art, celui de gribouiller des choses qui ont un sens. C'était révolutionnaire pour notre peuple et les gens voulaient apprendre. Ils voyaient qu'on pouvait écrire quelque chose sur un bout de papier ou sur une ardoise, l'apporter à quelqu'un d'autre, et cette personne pouvait déchiffrer ce qui était écrit. C'était comme une révolution. Et ils y ont adhéré. Mais comme c'était les missionnaires qui enseignaient la lecture et l'écriture et qui fondaient les écoles, pour y aller, il fallait accepter de devenir chrétien. C'est ainsi que les missionnaires ont réussi à attirer les gens. L'autre manière, c'était par la santé. Ils disposaient d'équipements sanitaires, ils étaient capables de guérir des maladies réputées incurables, les ganglions, les verrues, des maux très ordinaires qu'on ne savait pas soigner jusque-là.
Dès son arrivée, l'administration coloniale a introduit l'argent, des pièces. Mais on ne comprenait pas comment ces petits bouts de métal pouvaient avoir une quelconque valeur. Rien à voir avec un mouton bien vivant et sur ses quatre pattes. Une chèvre était pour nous bien plus précieuse qu'un morceau de métal. Mais le gouvernement déclara que c'était la nouvelle monnaie d'échange et que nous devions payer des impôts. C'était une notion totalement inconnue et nouvelle. Mais le gouvernement a été bien clair. Nous devions payer des impôts et nous ne pouvions le faire qu'avec ces pièces de métal. Ils n'accepteraient ni chèvres ni moutons. Évidemment, les seuls qui possédaient ces pièces de métal étaient les colons. Et pour en obtenir, nous devions travailler pour eux. C'est ainsi que ce nouveau concept du travail payé en argent a été introduit dans notre société. La colonisation, c'est très bien, mais il ne faut pas que cela pèse trop lourdement sur les budgets des puissances colonisatrices. Elles font alors appel à une solution largement utilisée : abandonner leurs droits régaliens à des entreprises privées, les compagnies concessionnaires. Compagnies tenues à des obligations envers les pouvoirs publics, mais qui ne respecteront que rarement ces mêmes obligations. On nage désormais en pleine confusion des genres, et cela ouvre la porte à tous les abus. Les compagnies concessionnaires étaient des compagnies qui, avec la complicité de l'administration, faisaient travailler les populations dans le cadre de ce fameux travail forcé. Parce que tout le territoire avait été livré, en quelque sorte, à des commerçants privés. Par exemple, les populations étaient astreintes à produire une certaine quantité de caoutchouc. Et ça, c'est un peu contraire, évidemment, à la méthode de travail traditionnelle. Chez nous, autrefois, d'après ce qu'on constate, le travail n'était pas considéré comme une corvée. Quand c'était un travail collectif, quand il fallait, par exemple, réparer une maison ou bien faire un champ, ben, au son de la musique et avec un peu de boisson, les populations venaient aider à faire ce travail-là en chantant. Et je vous assure que on n'avait pas besoin de chicotes. Hein. La mère de notre leader Barthélemy Bouganda a été battue à mort parce qu'elle n'avait pas produit la quantité de palmistes hein, pour nourrir les fonctionnaires et les commerçants. Hein. Obligatoire pour tous les sujets mâles et valides, le travail forcé n'est pas rémunéré si ce n'est par quelques denrées alimentaires. L'administration coloniale fait appel au travail forcé pour les ouvrages d'utilité publique. Mais les compagnies concessionnaires ne sont pas en reste. Et le travail forcé contribue largement au succès de leurs activités minières. C'est en Afrique du Sud que se trouve l'exemple le plus spectaculaire de ces compagnies. La British South African Company et la De Beers, créée par le seul Cecil Rhodes, businessman et homme politique britannique aux ambitions démesurées. J'annexerais les autres planètes si je le pouvais. Regrettait celui qui ne cessa d'élargir les limites de son empire en organisant des opérations militaires qui lui permettaient de signer avec les chefs indigènes des traités d'abandon de souveraineté. Et cela parfois dans des régions très éloignées de la province du Cap, sa base de départ. À la conquête de terres qu'il exploita et qui furent baptisées à sa grande satisfaction narcissique, Rhodésie du Sud et Rhodésie du Nord. Cecil Rhodes came to exploit the resources
Cecil Rhodes est venu pour exploiter les ressources de la Rhodésie du Sud et de la Rhodésie du Nord. Il a lui-même distribué différentes parties de ces régions à des hommes d'affaires, des Blancs qui souhaitaient travailler avec lui. Il leur a tout simplement vendu ces territoires comme s'ils lui appartenaient. Et il s'est fait payer en échange. Voilà ce qu'il a fait. Presque toute la population noire de la Rhodésie du Sud, devenue le Zimbabwe aujourd'hui, fut tout bonnement expulsée vers des zones désertiques et montagneuses où la vie était très difficile. Cecil Rhodes est à l'origine du processus de destruction du Zimbabwe. Cela ne fait aucun doute. Le roi des Belges avait légué par testament à la Belgique sa propriété privée du Congo, un jardin de 2 345 000 km², aussi vaste que l'Europe occidentale. Mais le Parlement n'attend pas le décès de son souverain pour voter l'annexion du vorace et fort endetté Congo léopoldien. Par ailleurs, l'opinion publique nationale et internationale se scandalise des méthodes utilisées au Congo par certaines compagnies concessionnaires. Il s'agit pour ces compagnies, et toujours au nom du roi, de tirer le plus grand profit des ressources locales. Et c'est donc là que le système du travail forcé atteint son paroxysme. C'est là que la main-d'œuvre disponible est systématiquement utilisée et très cruellement châtiée quand ses rendements, dans la récolte du caoutchouc ou dans la fourniture d'ivoire, sont jugés insuffisants. Horreur coloniale encore. Comment qualifier autrement les actes auxquels se livre l'Allemagne de Guillaume II dans sa colonie du sud-ouest africain, l'actuelle Namibie? Ordre d'extermination. Les héréros ne sont plus sujets allemands. Ils doivent tous quitter leurs terres. Tout héréros aperçu à l'intérieur des terres allemandes, avec ou sans armes, sera exécuté. Les instructions du général von Trotta sont appliquées à la lettre. Et la population héréro, qui ne demandait en fin de compte que de meilleures conditions de vie, passe ainsi de 80 000 à 15 000 personnes. Plus des trois quarts d'une population décimée, soit par exécution, soit par dépérissement dans des camps qu'il faut bien appeler de concentration. En 2004, le gouvernement allemand a reconnu qu'il fallait qualifier de génocide ce massacre si longtemps ignoré. La Première Guerre mondiale, qui éclate en Europe, est aussi l'affaire de l'Afrique, puisque le rêve de grandeur des puissances européennes, c'est en Afrique d'abord qu'il s'exprime. Une réalité se fait jour, trop rarement mise en évidence. En 1914, les colonies africaines représentent la plus grande longueur de frontières communes aux belligérants européens. Cela explique en partie que l'Afrique sera doublement impliquée dans ce conflit mondial, à la fois comme terre de combat et comme réservoir de combattants. En France, très préoccupé par la crise démographique de son pays, le colonel Mangin avait publié en 1910 un ouvrage à succès, La Force Noire. Les troupes noires, y écrivait-il, ont les qualités que réclame la guerre moderne. Rusticité, endurance, instinct du combat, absence de nervosité. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet considérable. Et même si le gouvernement ne retient pas l'essentiel des propositions de Mangin, la France va tout de même se distinguer. Alors que les troupes coloniales des autres puissances belligérantes restent confinées sur le continent, la France mobilise les siennes
sur le front européen. Au départ, c'était volontaire. Ceux qui avaient la volonté de continuer le combat du côté français levaient le doigt et on les prenait d'office. Deuxièmement, si l'effectif n'atteint pas ce qu'on veut, ce que souhaite la France, on exige et on impose un quota à telle famille ou à telle autre famille parce que le roi connaît là où il y a des hommes valides. Et il connaît dans chaque foyer, dans chaque famille, les éléments les plus solides de chaque famille. Donc, on exige qu'on fait la liste, chez vous, telle personne sont prises. Et si les personnes ne veulent pas y aller, les personnes disparaissent dans la nature, c'est-à-dire elles fuient. Et de fil en aiguille, on recueille un nombre plus élevé afin de continuer la participation militaire sur le terrain. Tous les jeunes hommes devaient aller à la guerre. Mon oncle fut recruté. Et ma grand-mère, qui ne voulait pas qu'il parte, décida de le cacher. Elle partit vers une terre que je connais très bien et qui appartenait à sa famille. Il y avait là une cascade et beaucoup de végétation. Elle y cacha mon oncle pour que personne ne le trouve. Mais les parents de ces jeunes hommes étaient victimes d'intimidation. On leur disait, nous savons que vous avez un fils et vous devez nous le remettre. Sinon, nous confisquerons votre bétail. Il faut savoir que le bétail constituait une bonne part de la richesse des gens et surtout des hommes. C'était comme leur compte en banque. Je comprends que sous cette menace, mon grand-père ait convaincu ma grand-mère de livrer leur fils. To reveal where my uncle was. This is a tragedy of being. C'était la situation tragique des sujets dans une colonie. Personne ne s'est donné la peine de venir informer mes grands-parents du sort de leur fils. Sûrement que personne n'était même capable de dire où il était tombé. Ma grand-mère a pleuré jusqu'à la fin de ses jours, se demandant toujours comment son fils était mort. Une fois que la personne meurt, la personne est enterrée dans son terroir près des siens. Ceux qui sont décédés avant, là, on est enterré. Sinon, il y a des pratiques pour appeler l'âme de la personne là où elle est décédée afin de procéder aux cérémonies nécessaires pour ramener la personne près des siens ici. Et pour ramener, c'est beaucoup plus difficile que pour enterrer sur place. Donc, il y a cette conception qui fait qu'on n'a pas envie de mourir ailleurs, dans un autre pays, pour qu'on fasse des cérémonies de rapatriement ou des cérémonies de retour de l'âme auprès des siens. Le recrutement de soldats noirs et le choc qu'ils provoquent dans de nombreux pays d'Afrique
va donner un nouveau souffle à des mouvements d'inspiration prophétique, tels au Nyasaland, l'actuel Malawi, le mouvement qu'anime John Chilembwe, pasteur baptiste et agitateur politique qui mène une violente croisade contre la guerre. Le pasteur Chilembwe sera arrêté et fusillé. Surmontant une opposition afrikaner très sensible à la propagande pan-germaniste, le gouvernement sud-africain s'engage aux côtés des alliés. La vision de Noirs armés était un cauchemar pour les Sud-Africains blancs, profondément marqué par le précédent de la guerre des Boers. À cette époque, de nombreux Africains armés pour la guerre s'étaient servis de leurs armes pour reprendre leurs terres. Et ils y étaient parvenus dans certains endroits. Après la guerre des Boers, les Britanniques se sont empressés de désarmer les Noirs pour éviter que ce cauchemar ne se reproduise. Les Blancs étaient unanimes. Il ne faut pas donner d'armes aux Africains. Et ils furent recrutés comme porteurs ou responsables de transport durant la Première Guerre mondiale. Et certains furent même envoyés en Europe. Sur le terrain des combats en Afrique, il faut mobiliser le moins de troupes possible, jugées plus utiles sur le front européen. Mais alors que le Togo allemand tombe en quelques semaines, la bataille menée par les Britanniques et les Français au Cameroun sera plus longue, 18 mois, et plus meurtrière. Avec cette singularité que pour la première fois, elle oppose des soldats noirs présents des deux côtés. C'est également le cas en Afrique orientale, où des soldats professionnels noirs, des Askari, sont placés sous le commandement du général allemand von Lettow-Vorbeck. Ces Askari parviennent durant toute la guerre à fixer 150 000 soldats alliés et leurs troupes noires, qu'elles soient sous le drapeau britannique, belge ou sud-africain. Sur le front européen, les terribles combats de la fin 1917 mettent les troupes noires à forte contribution. Mon père a inhalé de gaz et tout le reste de sa vie, il a mené une vie de souffrance. On faisait des trucs de verre, de ventouse, qu'on lui faisait, on coupait le corps pour qu'il puisse respirer bien. Mais rien à faire. Il est décédé des suites de cette gaz. Donc, de ce gaz. Et il nous a toujours expliqué. Mes grands frères sont là. Ils peuvent témoigner. Il nous a toujours expliqué les méfaits, les atrocités de la guerre. Et c'était triste d'aller s'intoxiquer à un autre front qui n'est pas le vôtre. Au début de 1918, la plupart des belligérants ne peuvent que constater l'épuisement de leurs troupes et l'absolue nécessité de les renforcer. Il faut donc recruter de façon plus importante. C'est à Blaise Diagne, député du Sénégal, que le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, avec une certaine habileté politique, fait appel. Nommé haut commissaire de la République, Diagne effectue donc une tournée de sergent recruteur dans les colonies. Il y multiplie les promesses susceptibles d'améliorer le sort de ses frères à l'issue du conflit. Mais la plupart de ses promesses, celles notamment d'une citoyenneté accordée pour service rendu à la patrie reconnaissante, ne seront pas respectées. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas honoré sa promesse. Si on voulait tirer une conclusion, on peut dire que bon, les Français ne sont pas reconnaissants. Puisqu'ils ont promis, on les a suivis, et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Mais nous disons, enfant, Zami le Pongblat Nenoa, vous aurez encore un autre problème et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on vous attend. Le pasteur John Chilembwe avait mis en garde ses compatriotes contre cette guerre entre blancs
dont les Noirs ne pourraient sortir que perdants. Et de son côté, le gouverneur général allemand du Togo, von Thuring, dans les mois précédant le conflit, avait multiplié les télégrammes à Berlin pour déconseiller à son gouvernement d'offrir aux Africains le spectacle de déchirement entre les Blancs. Le traité de Versailles va donner raison à l'un et à l'autre. L'Afrique ne gagne rien pour sa participation à la victoire et demeure sous tutelle européenne. La France et la Grande-Bretagne se partagent le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique et la Grande-Bretagne reçoivent les dépouilles de l'Empire est-africain de l'Allemagne. L'Afrique du Sud se voyant attribuer pour sa part le sud-ouest africain. Mais dans le même temps, le doute sur la supériorité de l'homme blanc s'installe dans l'esprit des Africains. Ils ont appris qu'il y avait de bons et de mauvais blancs et que l'on pouvait tuer ces derniers. Le piédestal de l'homme blanc vacille. C'est aujourd'hui jour de marché à Poto-Poto, l'un des plus anciens quartiers de Brazzaville, capitale de l'actuelle République du Congo. À proximité de Poto-Poto se trouve l'une des traces les plus significatives de la politique coloniale de l'entre-deux-guerres. Une politique que résume le maître mot de « mise en valeur des possessions françaises ». Ce chemin de fer qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, les compagnies concessionnaires le réclamaient. Il leur fallait une issue sur la mer. La métropole, de son côté, entendait montrer sa capacité à exploiter de façon exemplaire sa colonie du Congo. Le Congo océan était présenté comme un apport essentiel à la vie économique et sociale du pays. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo océan et réalisé après 13 années de travaux. Commencé en 1921, il a fallu, pour exécuter les 610 km de la ligne, vaincre les difficultés d'une région malsaine et accidentée, lancer 92 ponts et faire 10 millions de mètres cubes de terrassement. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Le chemin de fer Congo-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines. André Gide. Les conditions étaient très, très, très pénibles. Le gouverneur reste a dit que sur un mètre de chemin de fer, il y avait un cadavre. Et ça, c'est vrai, parce que c'était le travail forcé. Il fallait ne pas se reposer, on mangeait simplement un peu pour avoir un peu de force et travailler. C'était très très pénible. C'est ce qui a fait que les populations, les jeunes gens qui descendaient là-bas sous des prétextes enfin, plus ou moins justifiés, hein, ne revenaient pas. Alors on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'où la révolte de Congo, Congo-Ara. De nombreux travaux d'irrigation, digues et barrages favorisent dans les années 20 le développement d'une économie de traite que l'on peut résumer ainsi. Les colonies exportent des produits bruts et importent des produits fabriqués. Dans le domaine agricole, les cultures d'exportation sont le plus souvent des monocultures, dont l'expansion appauvrit les sols et en favorise l'érosion. Autre inconvénient de ces pratiques, elle marginalise les cultures vivrières et le mode de vie que déterminent ces dernières. Coton, cacao, arachide, café, banane, ces productions, autres faiblesses,
sont soumises à la volatilité des cours et ne prennent toute leur valeur qu'en s'inscrivant dans un ensemble. La réponse que je peux faire aux colonisateurs, c'est de s'être placé au départ pour administrer nos pays dans une optique de grands ensembles, avec des spécialisations, et ensuite d'avoir donné l'indépendance en morcelant. C'est ça le grand reproche. Parce que quelle était la philosophie? Le Sénégal est spécialisé dans l'arachide. Bon. La Côte d'Ivoire, c'est le café, le cacao, le verre. C'est un pays beaucoup plus riche d'ailleurs, avec beaucoup plus d'eau. Donc nous étions un pays aride, semi-aride. Et pour nourrir les Sénégalais, on va chercher les brisures de riz d'Indochine. C'était cohérent. C'était très cohérent. Mais à partir du moment où chacun restait seul, la cohérence disparaissait. C'est là qu'il y a eu le grand problème. C'est la même politique de spécialisation que mène le colonisateur en Afrique australe. Mais il s'agit cette fois d'une exploitation de nature industrielle. À l'époque, les mines étaient contrôlées par les investisseurs. Et évidemment, ils vendaient les minerais découverts. C'est ainsi qu'ils se sont enrichis. La plus grosse part de l'argent partait à l'étranger et seule une toute petite partie servait à payer les ouvriers. Les Noirs ne recevaient même pas des salaires, mais des gages, ce qui est révélateur de leurs conditions. Ils ne recevaient ni éducation, ni soins médicaux. Leur logement était misérable. Et pourtant, ils travaillaient dans des mines de cuivre. Ces mines étaient une source de profit exceptionnelle, lesquelles auraient dû être réparties équitablement. Mais ce ne fut pas le cas. Et la pauvreté ne fit que s'accentuer. Le Mozambique, par l'afflux de ses travailleurs émigrés en Afrique du Sud, a contribué au développement de ce pays. Le contrat incluait une rémunération aux Portugais pour chaque personne recrutée, par tête, comme il disait. Par tête, il y avait donc une certaine quantité d'or remise aux autorités portugaises à titre d'achat de main-d'œuvre. C'était une forme d'esclavage, finalement. Era uma forma de escravatura de outra maneira, né? En Afrique du Sud, les années 20 sont celles d'une violente récession économique. Et la pauvreté touche aussi de petits paysans africaneurs qui s'engagent dans les mines. Ils s'inquiètent de la concurrence de tous ces mineurs noirs venus de pays voisins et qui, moins bien payés qu'eux, peuvent les priver de leur travail. Ils se mettent en grève. Influx of white Africaners. Il y a eu un fort exode rural des Afrikaners à partir de la fin du 19e siècle. Ils arrivaient en ville sans qualification et entraient en concurrence avec les Noirs. Cette rivalité est capitale pour comprendre l'histoire de l'Afrique du Sud depuis la découverte des mines d'or. Comme les Afrikaners n'arrivaient pas à concurrencer les Noirs, les lois ségrégationnistes des années 20 sont venues à leur rescousse. Bon nombre des mesures adoptées par le gouvernement ont introduit la ségrégation. Ces mesures déterminaient là où les Noirs avaient le droit de vivre, de travailler, les professions qu'ils pouvaient exercer. Tout cela plaçait les Noirs dans une position inférieure. Ces lois ont en quelque sorte posé les jalons de l'apartheid.
L'exposition coloniale de 1931 à Paris-Vincennes n'a d'autre but que de glorifier la mission civilisatrice de l'Occident. Et elle ne s'en prive pas. Mais les millions de visiteurs qui parcourent cet immense rassemblement de clichés folkloriques et de spectacles vivants d'un goût parfois très discutable, qu'auront-ils appris de la civilisation africaine? Rien. Ou presque rien. À Bambari, lorsque j'étais au collège, c'est Boganda, je dois vous avouer, qui a été la base de mon nationalisme et de mon panafricanisme. C'est Boganda qui disait, c'était le premier prêtre ubangien. Il avait une grande culture gréco-latine, mais qui nous disait, ah non, attention, les maîtres de ce monde-là autrefois, c'était les pharaons, les Égyptiens dont on entend parler, là, c'est des Noirs, les pharaons, et que la civilisation est née il y a plus de 4 ou 5 000 ans. En Égypte, il y avait une civilisation nègre, libyenne, etc. et tout, et que même les savants grecs, les Thalès, les philosophes, tout ça venaient apprendre en Égypte que l'Afrique est détentrice d'une vieille civilisation. Autrefois, j'étais complexé. Je haïssais les Blancs qui me disaient que je n'avais pas de valeurs propres, que je n'avais pas de civilisation. Quand j'ai découvert que j'avais des valeurs propres, qu'il y avait une civilisation africaine, j'ai cessé de haïr les Blancs. Ça me fait sourire quand on parle de Senghor, qu'on le présente comme une sorte de poète français ou de poète latin. Mais non, mais tout simplement, c'est pas du tout poète latin, c'est parce que les gens se sont fait une idée complètement fausse de l'Afrique, on parle d'élégie. Mais oui, je regrette. Mais figurez-vous qu'au Sénégal et en Afrique, il y avait des rois. Ça paraît bizarre. Figurez-vous qu'il y avait un cérémonial. Ça vous paraît bizarre. Savez-vous qu'il y avait des concours gymniques, comme en Grèce, et des hymnes gymniques? Le savez-vous? Mais c'est pas la Grèce qu'ils chantent, c'est ça qu'ils chantent. Savez-vous qu'il y avait une poésie de cour, eh bien, c'est ça la poésie du Senghor. Non, c'est pas du tout traduit du grec et du latin, hein, et c'est pas pour parodier les Français, c'était ça le Sénégal. Lantier, aimé Césaire, a rencontré Senghor pour la première fois à Paris. Avec la complicité du poète guyanais Léon Gontran Damas, ils vont, dans les années 30, forger et exalter le concept de négritude. C'est pas une négritude triomphante et glorieuse, c'est pas cela. C'est une négritude piétinée, c'est le nègre piétiné, c'est le nègre opprimé et c'est le nègre révolté. C'est ça la négritude. La négritude opprimée, on en trouve un exemple dans le sud de l'actuelle Somalie, région qu'occupent les Italiens depuis le 19e siècle. Un traité signé en 1915 a autorisé l'Italie à accroître ses ambitions dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et son appétit n'a cessé de grandir dans les décennies qui ont suivi. Cet appétit, Mussolini va vouloir le satisfaire avec son projet de l'Africa orientale italiana. Pour parachever ce rêve d'empire colonial, le Duce, qui détient déjà la Libye, doit se saisir de l'Éthiopie et chasser de son palais le Négus, roi des rois et lion conquérant de la tribu de Juda, Haïlé Sélassié, et venger dans le même temps l'humiliation d'Adoua. Le Négus se prépare à faire face avec le soutien d'officiers qui lui restent fidèles. En 1935, les troupes italiennes attaquent l'Éthiopie, pays libre et membre de la Société des Nations. Nous suivions jour après jour les événements d'Éthiopie. Pouvait-on être un homme de couleur et être insensible à la montée du racisme et au développement de l'impérialisme? Nous étions en face d'une Europe
insolente, arrogante, conquérante, une force d'écrasement extraordinaire. Della pace romana che si esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione. L'Etiopia è italiana! Mussolini peut bien clamer que l'Éthiopie est italienne, politiquement il n'en est rien. Le vrai pouvoir est ailleurs, incarné par la frêle silhouette du négus exilé. Haïlé Sélassié oppose son calme et sa dignité au sifflet des fascistes. Les Italiens sont les seuls à le huer, les seuls à vouloir l'empêcher de parler. Il parlera. Il a dit, si vous ne donnez pas justice à l'Éthiopie, l'allumette qui vient d'être déclenchée sur l'Éthiopie après la bataille de Majo, mai 1936, ne va pas s'arrêter avant de brûler le monde entier. Que va représenter pour les Africains la nouvelle guerre mondiale qui se déclenche? Une guerre de blancs qui ne les regarde en rien mais va se dérouler en partie sur leur sol. Une guerre qui les verra participer à de nombreux combats et leur donnera le sentiment justifié d'avoir joué un rôle important dans son dénouement. Une guerre, enfin et surtout, qui les mettra face à face, camp contre camp, dans un affrontement meurtrier. Mai 1940, les troupes d'Hitler envahissent la France qui capitule. Auch hier wieder die Kulturträger der Grande Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Des propos déjà entendus lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, quand la propagande allemande se déchaînait contre la honte noire de l'armée française. La défaite de la France. Comment va-t-on réagir à ce séisme dans ces colonies d'Afrique? Comment va-t-on accueillir la politique de collaboration du maréchal Pétain? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Connais pas Maréchal Pétain? Non, connais pas. Grand chef, commande Afrique tout. Commande tout. Maréchal Pétain. Commande papa, moi, maman. Oui, Maréchal Pétain, commande lieutenant, adjudant, caporal, tout. Bon, commande papa, moi, maman, commande-moi. Vous courez le couillon. C'est le chef de la France. Compris maintenant, chef de la France. Oui, compris. Gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Eboué se rallie à la France libre dès le mois d'août. Ce geste décisif va faire basculer dans les semaines qui suivent la totalité des pays de l'Afrique équatoriale et le Cameroun. Nommé gouverneur général de l'AEF par De Gaulle, Félix Eboué est le premier noir, et qui plus est descendant d'esclaves, à accéder au poste le plus élevé de l'administration coloniale. Jamais les colonies françaises n'avaient eu à jouer un rôle de cette importance. Elles sont, écrit le général de Gaulle, le creuset de la France libre et le point de départ d'une reconquête française de l'Europe. Mais dans l'immédiat, leurs soldats, engagés volontaires ou recrutés de force, se retrouvent opposés des deux côtés de la fracture française. Ainsi, une partie de la force noire demeure sous la coupe de l'État français, c'est-à-dire du maréchal Pétain et des gouverneurs généraux qui lui sont restés fidèles.
ces hommes seront amenés à combattre leurs frères ralliés à De Gaulle, notamment ceux qui débarquent au Liban en 1941 et se lancent avec le soutien des Britanniques à la reconquête de Damas. Si les Alliés peuvent avancer sur tous les fronts à la fois, en Europe, en Asie et en Afrique, c'est qu'ils ont accès en toute sécurité à des matières premières que la guerre a rendues inexploitables chez eux, mais qui abondent en Afrique, où ils développent les transports nécessaires pour les acheminer. Dans les colonies françaises, coupées en deux, la ponction économique est sans précédent, aussi bien en Afrique équatoriale qu'en Afrique occidentale, où les vichistes entreprennent la construction d'une ligne Méditerranée-Niger qui restera inachevée. La bataille en Afrique orientale illustre l'intensité de l'affrontement entre troupes noires. Les Italiens ont recruté des Somaliens colonisés et des Éthiopiens hostiles aux Négus. Et ces soldats vont être littéralement pris en tenaille par les Britanniques et leurs recrues sud-africaines, rhodésiennes, kenyanes et nigérianes. I remember in King's College Lagos, there were activities there among the. Je me souviens qu'au King's College de Lagos, il y avait des étudiants engagés qui remettaient en question la domination coloniale en Afrique de l'Ouest. Colonial imposition on the West African colonies. Ils furent arrêtés. Not only were they arrested, et certains furent même envoyés à la guerre. C'était une forme de punition. Cela a affecté les relations entre les leaders nationalistes et le pouvoir colonial. Car les nationalistes disaient, cette guerre est-elle la nôtre? Pourquoi participerions-nous à un conflit entre des pays d'Europe qui ont non seulement dépouillé le continent africain de son capital humain pendant des siècles, durant la traite des Noirs, mais qui en plus continue à s'approprier les ressources des colonies? Bref, en quoi cette guerre nous concerne-t-elle? D'un autre côté, il y avait aussi les leaders qui voyaient ou qui croyaient voir un enjeu plus important, la nécessité de vaincre le nazisme. La victoire des Britanniques et de leurs soldats noirs permet le retour dans son pays du Négus exilé à Londres depuis 5 ans. Le roi des rois reprend possession de sa capitale, Addis Abeba, et redonne confiance par son exemple à tout un peuple, et même au-delà. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage, and a just cause, David will still beat Goliath. Un an plus tard, les Britanniques, avec les mêmes soldats noirs issus de leur colonie, débarquent à Madagascar pour y affronter et pour y vaincre les forces françaises restées fidèles à Vichy. Ce n'est pas vraiment cette présence anglaise qui a laissé plus de traces à Madagascar, mais la confrontation entre les tirailleurs français, que les Malgaches appelaient les Sénégalais, et les tirailleurs anglais, qui étaient les Zoulous. Et c'était quelque chose d'assez choquant pour la population malgache de voir des Blancs, en fait, des Anglais et des Français, faire se battre des Noirs. Et de se dire que les Blancs, ils mènent leur guerre à travers les Noirs. Enlève-moi toutes les affiches de Pétain. Colle celle-ci à la place. C'est lui, le nouveau chef de la France. Un général de brigade. 1942. L'Afrique occidentale française entre dans la guerre après son ralliement à la France libre. Un ralliement d'importance pour les troupes coloniales. Ils mettent un terme à leurs affrontements des deux côtés de la fracture française. Sergent. Oui. C'est quoi ça? C'est Louis de Gaulle.
Le général de brigade, 2 étoiles. C'est le nouveau chef de la France. Lui, 2 étoiles. Oui. Maréchal, combien d'étoiles? 7 étoiles. Et lui commande la France maintenant? Oui. Brazzaville est devenue depuis 4 ans la capitale de la France libre. Charles de Gaulle y rend hommage en janvier 1944 à la participation des Africains à la lutte contre le nazisme. De Gaulle est par ailleurs conscient que ces mêmes Africains ont connu durant la guerre une fraternité des armes qui les a conduits à une réflexion politique plus avancée et qu'il faudra en tenir compte. Ce qui m'a frappé, moi, en tout cas, c'était vraiment que les résolutions de Brazzaville a été prise dans une conférence où il n'y avait aucun représentant délégué par les Africains. S'il y avait des hommes de couleur comme Eboué, ils étaient en tant que fonctionnaires, en tant que responsables de l'État français. Il n'y avait aucun représentant d'un groupe social ou d'un groupe intellectuel ou des Africains. C'était une conférence pour les Africains, sans les Africains. Porté par le serment que leur avait fait à Koufra en Libye le colonel Leclerc, le serment d'aller avec elle jusqu'à Strasbourg, les troupes françaises noires débarquent en Italie. Puis en Normandie avec la 2e division blindée, et enfin en Provence avec les Alliés. Les troupes noires qui avaient été sur tous les fronts, à partir de 1944, on les a dégagés de certaines zones au nom du blanchiment des troupes, parce qu'on ne souhaitait pas que les troupes noires puissent jouer de grands rôles dans des actes de libération de la France. On voulait bien indiquer que c'est les Français qui ont libéré la France, mais sans les troupes noires. Cela a été vécu comme une espèce de frustration. Donc certains sont retournés vraiment l'amertume au cœur. Un drame s'est déroulé à Tiaroy en novembre-décembre 1944 parce que des promesses avaient été faites aux anciens combattants. Ils devaient recevoir des pécules en France. On leur a dit d'aller à Tiaroy et qu'ils les recevraient à Tiaroy. À Tiaroy, ça a été du dilatoire. On négociait le montant à donner. Vous ne méritez pas ça. Vous n'avez pas pu justifier le temps que vous avez passé au front. Donc, avec beaucoup d'humiliation. Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux France, la métropole et la coloniale? Et ce qui devait arriver ou ce qui ne devait pas arriver est arrivé, parce qu'un général à l'époque, Dagnan, est venu vers le 26 novembre 1944 à Tiaroy essayer de négocier avec les anciens combattants qui ne voulaient pas quitter Tiaroy, qui ne voulaient pas rejoindre leur territoire avant d'avoir perçu leurs émoluments et leurs droits. Ça a mal tourné. Le général Dayan, qui était le commandant des troupes à Dakar, a été pris en otage. Nous souffrons beaucoup, beaucoup la guerre. Camp concentration. Nous mangeons. Quand t'es foule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup, beaucoup catastrophes suisses. Alors, tu comprends mon français? La guerre. La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup cadavres. Ici, tous hommes, toi homme, moi homme, lui homme. Alors, tu comprends rien? Le général leur promet, sur son honneur de soldat, que, bon, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs, et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, we'll be right back.
Charroy devient un lieu symbolique de la contestation anticoloniale. La poésie s'en empare. Il y a un poème très beau de Senghor, « Ô tirailleur noir, couché dans la glace et dans le sang, est-il vrai que la France n'est plus la France ? Est-il vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage, etc. ?» Sur la longue période qui s'achève, l'empire du silence aura finalement réussi à faire entendre sa voix. Encore faible, mais de plus en plus affirmée. Il lui aura fallu pour cela surmonter de multiples traumatismes. Au crépuscule de l'homme blanc qui se précise, va répondre l'ouragan africain. De nombreux libérateurs, parmi lesquels les figures charismatiques de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba ou de Nelson Mandela, vont conquérir de hautes luttes et souvent au prix de leur vie l'émancipation à laquelle rêvaient depuis plus d'un demi-siècle les Africains.